programme. Du Assassin's Creed, du Nintendo, du Game Pass, du PlayStation, des jeux qui ont été repoussés aussi, j'avais envie de parler de ça. Et puis du Z-Event, évidemment, qui a eu lieu ce week-end. Donc, dans un premier temps, on a du Assassin's Creed Valhalla qui a été annoncé lors de l'Ubisoft Forward. C'était samedi 10 septembre, lorsque voilà, ils ont fêté les 15 ans de la série Assassin's Creed. Et oui, ça fait 15 ans déjà. C'est sorti en 2007 pour le premier avec Altaïr. Et donc, ils nous ont annoncé cette année un DLC qui sera gratuit, The Last Chapter pour Assassin's Creed Valhalla. Donc, c'est pas mal, je pense que je vais le faire. Vu que s'il est gratuit, autant profiter. Donc déjà, le premier annonce, c'est un DLC donc, de Assassin's Creed Valhalla. Ensuite, on a bien évidemment l'annonce de Assassin's Creed Mirage pour 2023 qui va se passer à Bagdad. Il y a eu trop de fuites ces dernières semaines, ils ont été obligés de nous l'annoncer. D'ailleurs, je vais vous mettre... On va se regarder la bande-annonce ensemble. Paf, paf. Je vais décaler. Et coucou Pete, comment tu vas? Merci beaucoup. Merci sub. Et bisous Pete, bon courage pour le travail. Alors, le trailer. Alors ça c'est Japon, ça. Le trailer de Mirage. Et ici. Évidemment. La version hop. Accélérée de Soch présente. Pourquoi j'ai... Alors attendez. En plus, je vais essayer de garder une oreille dans un... Il n'y a pas de souci. C'est pas... Il y a pas de souci. Juste un petit souci de son. Je sais pas pourquoi. Un peu du bureau. Faire ça. Enfin, je sais pas pourquoi la sortie vidéo veut pas se faire au bon endroit. On va se tester. Donc ça c'est... Voilà. Mirage. Est-ce que je le mettrai pas en comme ça, Bassin, voilà. Agnes Hawk. Are you ready to give up who you once thought you were? I am. J'ai un problème de son. Attendez. Encore. C'est parce que j'ai enlevé la cam, ça m'a fait un problème là. C'est bien. Voilà. Donc, apparemment, cet Assassin's Creed là, ça serait donc un Assassin's Creed un peu différent des autres, ça sera moins grand, la map sera moins grande. Mais il y aura beaucoup plus de choses à faire. Et on se retrouve un petit peu. En tout cas, moi personnellement, je retrouve un peu la sensation d'être dans les premiers Assassin's Creed. Après, c'est peut-être la région qui fait que. Et voilà, on retrouve Basim, que je connais très bien puisque c'est un personnage fort de Valhalla. Paf, dans la gueule. Then out of the dark, you will come into the light. Paf. Alors je passe Paul ceux qui n'ont pas fini Assassin's Creed Valhalla au niveau de l'histoire. Mais sachez que j'ai très très hâte de faire le Mirage pour avoir la suite de l'histoire.
Coty, comment tu vas? Ah, il y a le fameux doigt des assassins coupés. Regardez, ça c'est le style des premiers que j'adore. Bon, moi, de toute façon, je suis hypée. Je suis souvent très hypée par beaucoup d'Assassin's Creed. Hein, donc, Mais vraiment, je trouve que je retrouve cette sensation-là. Puis, le costume, évidemment blanc et un peu de rouge, ça fait penser à Ezio Auditore. Là, on est bon, là. Et puis l'aigle, évidemment. Moi, je le veux aussi. Ça va être ouf. Après, je suis une grande fan d'Assassin's Creed. Hein. Je suis un peu comme les fanboys de Pokémon. Moi, c'est sur Assassin's Creed. Hein. Je défendrai même quand je sais que c'est nul. Je défendrai jusqu'à ma mort. Ah, la musique. Assassin's Creed Mirage. Et la petite plume. La petite plume. On trouve dans... Oh, j'avais oublié ça à la fin. La petite plume qu'on retrouve bien sûr dans Assassin's Creed 2. Ah là là. Ah là là, j'ai si hâte. Donc ça, c'était une autre annonce lors du Ubisoft Forward. Hop. Il y avait aussi, donc, ils ont annoncé... Je vais remettre le petit... Voilà. Donc ça, on a vu le DLC, The Last Chapter, Mirage avec la bande-annonce. Il y a une série Assassin's Creed qui semble être en préparation, qui commence sans doute, avec Netflix. Donc on va sans doute en savoir plus dans les prochains mois, années qui vont suivre pour cette Assassin's Creed série. À voir si c'est comme le film ou pas. À voir ce qu'ils vont faire comme histoire. Voilà, on va découvrir tout ça. Mais je suis hype aussi. Je suis un peu moins hype que des jeux vidéo parce que ça reste des séries. Et des séries de jeux vidéo, c'est toujours... c'est pas forcément les meilleurs. Mais bon, on verra bien. Ensuite, on a deux autres jeux de cette fois-ci. Donc après 2023, alors peut-être 2024, 2025 ou 2026, on ne sait pas. Donc l'Assassin's Creed dont le nom de code est Red, qui se déroulera au Japon féodal, à découvrir. C'est peut-être ils vont peut-être faire une nouvelle série Assassin's Creed là-dessus, on va peut-être avoir un nouveau truc. Il y a le Codename aussi X avec ce logo là qui semble, alors très peut-être, mais moi je trouve que ça ressemble beaucoup aux jeux vidéo d'horreur. Donc à voir ce qu'ils vont nous faire comme Assassin's Creed, un truc un peu sombre. Voilà, on retrouve ça dans beaucoup de jeux vidéo d'horreur. Mais alors après, le Japon féodal, on va en parler après, il y a beaucoup de jeux qui sortent sur le Japon féodal dans pas longtemps. Donc peut-être qu'on en va d'ailleurs en avoir peut-être un peu marre. Mais il y en a, y a tellement de joueurs qui ont voulu un Assassin's Creed au Japon. Voilà, il arrive, c'est dans quelques années, mais il est là, il arrive, il est en préparation. Donc à voir ce qu'ils vont faire comme gameplay, peut-être qu'ils vont nous faire un truc de fou, on va voir. Donc Codename X qui sera sans doute un jeu un peu plus sombre. Apparemment, il se déroulera à la fin du XVIe siècle. Si je me trompe pas, donc fin de l'Empire romain. On verra ça. Et il y a aussi un jeu mobile. Ah oui, c'est ça, c'est Codename Jade. Le jeu mobile Assassin's Creed qui sortira et qui est prévu pour être dans l'univers Assassin's Creed en Chine. Donc voilà. Moi, je suis pas hyper fan des jeux mobiles Assassin's Creed. Donc, je
Je sais pas si j'y toucherai un peu ou pas du tout. Peut-être un petit peu, mais voilà. Bon, un petit jeu mobile là-dessus. Et surtout, il y a le Assassin's Creed, donc c'était le projet Infinity, mais Assassin's Creed Invictus, qui semble être ce nom-là, qui est une sorte de. D'un jeu, d'une sorte de hub. Je regarde ça, mais une sorte de. C'est plutôt le projet Infinity, une sorte de hub qui réunira l'ensemble des jeux qui fut et qui seront de Assassin's Creed. Donc, à voir. À voir comment ils vont mettre ça en place, à voir ce qu'ils vont faire dessus, à voir comment ils vont vendre le truc. Voilà. C'était surtout pour en parler, parce qu'il y avait des rumeurs de ce projet-là également. Ça semble se confirmer. Alors, je pense ne rien oublier sur Assassin's Creed avec le Ubisoft Forward. Le plus gros, de toute façon, le plus gros, c'est qu'ils nous annoncent plein de choses pour les années futures. Donc, ils vont pas lâcher la licence, ça c'est sûr. Le petit Assassin's Creed Mirage qui fait plaisir et qui me hype de ouf. Et puis, un petit DLC pour terminer la série Assassin's Creed Valhalla. Petit DLC gratuit, ça fait toujours plaisir. Voilà pour le Ubisoft Forward. Ensuite, on a aussi plein d'annonces côté Nintendo. Alors d'abord, côté Nintendo, le 26 août dernier est sorti. Hop, je vais m'en mettre là. Tac, la Switch OLED Splatoon 3. Et Splatoon 3 est sorti. Mais aussi, on a eu le trailer du nouveau Pokémon qui va bientôt sortir, Violet et Écarlate. Et ils ont annoncé également la Switch OLED édition limitée Pokémon Écarlate. Pas. Voilà, elle est ici. Qui arrive, bah, vient, voilà, le 4 novembre. Tac. Voilà. Donc. Voilà, c'est une édition limitée pour les fans de Pokémon, ça peut être sympa. Après, moi, je suis pas hyper fan des couleurs et de la Switch. Je préfère la Switch OLED Splatoon 3. Mais elle sort, et c'est une nouvelle Switch collector, donc faut en parler. Ouais, j'y pensais, Pete aussi. J'y pensais, mais je pense. T'inquiète pas, je pense qu'il y a tellement de besoin de faire des jeux pour la licence que ils vont le faire. Je m'inquiète pas beaucoup. On a aussi eu le Nintendo Direct. Alors ça, moi j'ai beaucoup aimé ce Nintendo Direct parce que bon déjà il est beaucoup mieux que tout ce qu'on a pu voir ces dernières années. voilà, est-ce qu'il est. Tac. Ah bah je l'étais dessus en fait. J'étais dessus. Donc le premier truc, parce que là il y a tous les écrans d'attente. Le premier truc, ça a été Pikmin 4 qui a été annoncé. We live on the continent of Elios. Est-ce que ça commence par ça? Four realms surrounding a holy land at its center. A thousand years ago, our lands endured a vicious war with the Fire Fell Emblem, Dragon. Je sais plus. We called upon heroes from other worlds to aid us. Heroes known as emblems. With them, the warriors of our nations fought as one. In the end, we were victorious in defeating and imprisoning the Fell Dragon. In the years since, our world has been safe. But now, évidemment. I sense a resurrection. The binding weakens. Et je monte mon son de la musique là quand même. Donc là, ça a commencé quand même fort sur Nintendo Direct.
awake. Huh? You're really awake, yeah? A thousand years? Il s'est réveillé, comme Link s'est réveillé. What are those horrible things? If I may, you are a divine dragon. Donc là, le nouveau Fire Emblem qui est annoncé sur ce Nintendo Direct. Alors moi, je pense le tester. Je vais voir si je l'achète ou pas. Mais en tout cas, moi, ça me hype. Bon, j'aime bien, de toute façon, j'aime bien ce style de jeu. Je pense que de toute façon, dans quelques années, on va me sortir. Je l'attends. Je suis une fangirl et tout. De Suikoden, soit des remasters, soit un nouveau jeu. Ils vont sans doute faire un remaster parce que c'est Nintendo. Et voilà, moi j'aime beaucoup. Et donc le Nintendo Direct qui commence par le nouveau Fire Emblem, ça c'est fou. She asked me to gather all of the rings and bring peace back to Elios. Fire Emblem Engage le 20 janvier 2023. C'est bien le 20 janvier 2023. 皆さんこんにちは. Voilà. Nintendo Direct の案内役を務めます。Donc, attendez, je vais avancer un petit peu. Ah oui, alors, ensuite, bon, avant de parler de Pikmin, It Takes Two arrive sur Switch. Voilà, It Takes Two arrive sur Switch. Project Zero, bon, moi, ça me... Ça m'intéresse pas plus que ça. On a le petit jeu Bob l'éponge qui est sympa. Pour 2023, un petit jeu Bob l'éponge. C'est pas mal, j'aime bien. You'll travel through portals to seven outlandish wish worlds. Ça se teste, like prehistoric kelp ça se découvre. Pourquoi pas? Explore using all voilà, sorts ça a l'air of wacky franchement, donne over 30 fantastic cosmic costumes and meet your favorite bikini bottom residents from the TV series, voiced by their original actors. That's it. Soak up SpongeBob SquarePants, the Cosmic Shake, launching on Nintendo Switch next year. Ensuite. You're all ready. Ouais, ça somme. Fit. Ouais, non. Tunique qui arrive. Sur Switch, Tunic, attention, hein, ça c'est bon, ça c'est un bon jeu indé. Si vous ne l'avez pas encore fait, faut le découvrir. En plus, sur Switch, je pense que ça peut être bien sur Switch, mais. Dangerous traps and even more dangerous monsters lurk around every corner. What long lost secrets will the island... Le festival Splatoon 3. Bon, il y a beaucoup de Splatfest hein, tous les mois. Là, c'est le premier festival, je pense, qui est annoncé pour Splatoon 3. C'est pour ça. Prochain festival. Octopath Traveler 2 annoncé. Alors ça, pour tous les fans d'Octopath Traveler. J'ai toujours pas fait le Octopath Traveler premier du nom. Il faut que je le fasse. Il est dans la liste. Il est sur le Game Pass. Il est prévu. Mais le 2 est déjà annoncé. Introducing a brand new game in the Octopath Traveler series. Eight new travelers embark on a journey through the land of Celestia. With that, we could realize a world without conflict, without bloodshed. I'm going to become a star and bring smiles to people's faces, just like Mama. I'm hitting the road. I'll be back once I eliminate that devil called poverty from the world. Marchons partitue, l'érudit Oswald. Faut vraiment que je fasse le premier. Il y a trop de jeux, il y a vraiment trop de jeux. Stench of blood. Doubt is what I do. Leave the hunting to me. Prête la chasseresse. All the tasty meat you want. I need to rediscover la boutiquaire. Explore a wide world set in a bustling era. Each traveler's path action differs between day and night. Our Lord knows well the ways of the world.
What will happen when their paths intertwine? Donc ouais, pas mal de choses déjà, hein. On est à la moitié du Nintendo Direct. Moi, j'ai trouvé déjà que là, c'était pas mal. Il y avait des nouvelles annonces importantes. Where will their journeys lead them and you? Octopath Traveler 2 launches le 24 février 2023. Va falloir que je m'y mette très très vite. On va avoir beaucoup beaucoup de choses cet hiver à faire. Hop là! Octopath Traveler, ça j'ai pas trop. Alors, Mario et les lapins de Cricut, hein, bon, voilà, encore un énième, énième Mario et les lapins de Cricut. Ah! L'annonce qui a hypé tout le monde. Attendez, j'ai tout loupé là. J'ai tout loupé de là. Voilà. Le 007 GoldenEye qui arrive sur Switch. Évidemment. Alors il arrive sur Switch, mais il arrive aussi sur le Game Pass. Voilà. Ça fait beaucoup réagir apparemment par tout le monde et moi aussi, hein. J'ai vu ça. Alors Factorio qui arrive sur Switch aussi. Voilà, bon bah c'est Factorio. Voilà, jeu de gestion, construction, bref, on connaît, hein, c'est déjà sorti depuis longtemps. Mario Striker Vague 2, il y a des nouveaux personnages. Mario Strikers Battle League Flop pour ce jeu quand même, enfin. Voilà, voilà. Pas grand chose à dire. Ah, les passes additionnelles du Mario Kart qui arrivent pour la vague 3. Here's a sneak peek at two courses racing into wave 3. On a eu les derniers là au mois de juillet, je crois. Le Mont Festif qui arrive. Le jardin Peach. Le jardin Peach, ah, j'adorais cette map. J'adorais cette map. Voilà, descente là. Hiver 2022. Donc là, ça va être pour décembre, je pense. Je pense. Or enjoy it for no additional cost as part of a Nintendo Switch Online Plus expansion pack. Nintendo Switch Sport. Il y a le golf qui va arriver. Voilà. Pikmin. Voilà, Pikmin qui arrive, le Pikmin 4 qui arrive. Je disais au tout début. まだプレイしたことがないという方に向けて少しだけ紹介させてください。ピクミンブルームは位置情報と連動した遊びで、外に出かけて歩くことでピクミンを見つけたり、育てたり。ah ouais, moi j'ai bien aimé le deuxième, hein. J'aimais bien moi Pit le deuxième. La deuxième vague, j'ai beaucoup aimé les circuits. Annonce de Pikmin 4. Ça, c'est sympa. 2023. Voilà, encore une belle annonce, je trouve, après Fire Emblem, Octopath Traveler 2. Voilà, bon, Just Dance 2023, évidemment, qui arrive. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bayonetta 3. Voilà, Bayonetta 3 qui arrive sur Switch également. Ceux qui adorent la licence. Resident Evil Village en cloud avec le 2 et le 3, je crois, aussi. Arrive sur Switch. Resident Evil Village Cloud launches on Nintendo Switch October 28th.
You can download and try out the free demo today on Nintendo eShop. On a Sifu, voilà, 2 et 3 en plus. On a Sifu qui arrive aussi, bah, comme It Takes Two, comme Tunic, voilà, c'est juste des jeux qui sont déjà sortis. Final Fantasy. TV Score. Le 13 décembre. Zack Bear is a young and ambitious soldier operative aspiring to become a hero. Together, Tale of Symphonia Remaster également. Ceux qui adorent le jeu. Moi, j'ai jamais touché, à ce genre de jeu, mais c'est Lloyd très sympathique. Donc un petit remaster, évidemment. Voilà, pas mal ensuite de petites annonces, dont l'écho Lego Brick Tales, qui a l'air sympa. Voilà, pour créer ses propres maps de Lego, très très sympathique. Je crois qu'ils annoncent aussi la nouvelle saison de Fall Guys. Il y a le Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Kirby. Et bien sûr, on l'attendait, on l'espérait. Voilà, le Fall Guys qui est annoncé. Le jeu qu'on attendait tous. On n'y croyait plus. Le petit Zelda Breath of the Wild qui arrive. On va se le remettre en full écran. Alors là déjà dans le trailer là, on voit pas mal de choses. Hein. On voit vraiment pas mal de choses. Ça a l'air un peu osef. Évidemment. Évidemment, franchement, mettre ça en fin de Nintendo Direct, ça m'a pas du tout hypé. Un vrai bide. Là, là, c'est magnifique, là, la porte qui s'ouvre et tout. On dirait Aragorn qui ouvre la porte du gouffre de Helm. Là, ça remonte le temps apparemment. Là, on remonte le temps. Avec les nouveaux pouvoirs. Et je sais pas si... attendez. On va voir ça, mais bon, déjà ça c'est trop ouf. The Legend of Ledza. Tears of the Kingdom. Le 12 mai 2023. Oui, je tease. On le sait la date maintenant. Mais voilà. Voilà. Alors attendez, il faut que je trouve le moment où. Est-ce qu'on voit. On voit. On voit des trucs. Un plagiat de Phoenix Rising, quoi. Ouais, exactement. D'ailleurs, Immortal Phoenix Rising qui est sur le Game Pass. Faudrait que je le teste en live pour le découvrir un peu. Est-ce qu'on voit un truc? Désolé, hein, je reviens en arrière et tout, mais là, il court. Là, il court. Je vais remettre ma caméra. Tac. Il a une main noire, hein. Là, il a une main noire, hein. Ouais, sur cette main-là. Là, donc là, on voit bien que on remonte le temps. C'est tout gris derrière. Là, c'est un pouvoir comme Cinétis ou quoi. Là, on est bien dans les airs. Et là, je voulais voir si... moi, ce qui m'intéressait, c'est ce que c'était ça. On va être pas mal dans les airs et je pense sous terre. Ce truc là, ça m'intrigue fortement. Oh, j'ai si hâte. Je pense qu'il y a des gros connaisseurs de Zelda qui vont bien décrire toutes les possibilités. J'ai vraiment très hâte
de connaître leur avis, savoir ce qu'ils vont décrire et tout. Donc voilà, c'était pour le Nintendo Direct, assez sympathique. Moi j'ai beaucoup aimé ce Nintendo Direct, en vrai il y en a plein qui sont là en train de dire « Ouais, pas ouf, bof ». Bah franchement, par rapport aux autres années, bah, ça, c'est beaucoup mieux déjà. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Donc après Nintendo, passons à Xbox et notamment au Game Pass Family and Friends qui est enfin annoncé. Enfin, annoncé. Il est en test au moins en Irlande et on a le tarif en Irlande pour 5 ou 6 comptes. 6 comptes ou 5 comptes, ça sera. On est à 22€ par mois. Bah let's go, en fait, c'est pas si cher pour 5 ou 6 comptes différents, avec chaque personne à sa sauvegarde, évidemment. Hein. Donc moi, j'attendais que ça, rien qu'avec mon chéri, pour découvrir des jeux et qu'il puisse faire des jeux qu'il veut faire, mais qui est sur le Game Pass. Et comme il n'a pas, le Game Pass, bah il devait les payer. Et je lui disais, mais utilise le Game Pass. Et maintenant, ça sera chouette. Donc, à voir dans combien de temps ils vont le sortir, ce Game Pass Family and Friends. J'espère peut-être début 2023, je l'espère. Ça serait trop cool. Voilà pour le Game Pass Family and Friends. Et puis, on a... je voulais en parler. Des sorties et des entrées dans le Game Pass, justement. Il reste quelques jours pour des jeux. Donc, il reste, si vous ne les avez pas encore fait... quelques jours pour découvrir Aragami 2, Craftopia, I Am Fish. Il y a aussi Last Words Beyond the Page, qui est un jeu indépendant qui se fait en quelques heures. Franchement, je crois que je l'ai fait en une après-midi. Il est vraiment à découvrir et il y part bientôt du Game Pass, donc à faire absolument. Et il part également du Game Pass, c'est A Plague Tale Innocence, qui part là, c'est pour bientôt. Donc dépêchez-vous si vous ne l'avez pas fait, parce qu'il va être remplacé le 17 octobre par A Plague Tale Requiem, qui arrive et qui sort sur le Game Pass Day One. Donc voilà, dommage qu'ils ne laissent pas les deux en même temps, je pense qu'il y a des problèmes de, voilà, de droits, etc. Ils n'ont plus les droits. Donc peut-être que PlayStation a racheté A Plague Tale Innocence pour sa plateforme à lui. Mais... Mais en tout cas, A Plague Tale Innocence part du Game Pass. Et sera remplacé par sa suite A Plague Tale Requiem. Il y a eu hier soir un State of Play PlayStation avec pas mal de jeux annoncés en vrai. Je suis assez surprise. Notamment deux nouveaux jeux VR, dont un dans l'univers Star Wars, où on va incarner un réparateur de droïdes. Donc voilà, on va en découvrir un peu plus. Faut avoir le casque VR, évidemment. Il va y avoir notamment aussi deux nouveaux jeux, qui ne seront pas VR, hein, évidemment, mais dans des mondes post-apocalyptiques. Alors ça, comme le Japon féodal, ça y va. On a Pacific Drive et Sin Duality. Ma prononciation est bonne. Donc voilà, qui devrait arriver peut-être en 2023, à voir s'il y a des reports ou pas, hein, évidemment. Un nouveau jeu aussi de la team Ninja, il s'agit de Rise of the Ronin. Alors Ronin, voilà, à voir comment ça se prononce. Un jeu d'action RPG qui va sortir en 2024 et qui se déroule pendant le Japon féodal. Voilà, quand je parle de Japon féodal, on en a un nouveau dans cette période. Et bien sûr, l'annonce attendue et nouveau trailer attendu, c'est God of War. Le nouveau trailer de God of War Ragnarok. Tac, on va se mettre en FR. Il est ici, on va le découvrir ensemble. PEGI 18. Tout le monde cache des choses. Parfois, c'est la seule façon de protéger ceux qu'on aime. Je te connais.
Le tueur de Dieu. Qu'attendez-vous de moi? Est-ce un dieu de la guerre que vous cherchiez? Tu ne souhaites pas la guerre. N'est-ce pas, Kratos? Tout ce sang sur tes mains et celle de ton fils. Qu'est-ce que tu refuses de me dire? Je peux pas t'en parler, mais tu dois me faire confiance. Nous nous plions à tes caprices. Mais tu crois à rien de tout ça. Et pourtant je te suis. Parce que tout ce qui compte, c'est que tu sois sauf. Mais c'est pas tout ce qui compte. Qui te protège, hein? Je n'ai pas besoin que tu me protèges. T'en es vraiment sûr? Que imposteur! Le père de tout! La mort pourra me prendre quand elle l'aura mérité. Que prétends-tu savoir de la divinité? Au cours de tes vies, as-tu jamais été vénéré? Quelqu'un t'a-t-il déjà prié? Peux-tu seulement imaginer ce genre d'amour? Non! Tu ne t'intéresses à rien d'autre qu'à ta personne, qu'à ce monstre qui tue sans aucune raison. Tu n'es lié au destin que si tu l'acceptes. Fais-le parce que c'est nécessaire. Pas parce que c'est écrit. Façonnerons notre propre destin. Il va être dingue. 9 novembre 2022. Il va être dingue, je vous le dis. J'ai trop hâte. Gotti, désolé, Elden Ring. Ouais, bah ouais. Il y a pas Overwatch Simulator aussi. Pardon. Pour un petit Gotti. un petit Gotti. On va voir, on va voir. Moi, j'ai pas joué à Elden Ring, donc je peux pas vous dire. Atreus Ado Boutonneau va faire des ravages. Comment tu vas, Suleiman? Alors, bah, voilà, un super trailer. Il y a plein de choses. Je pense que ça va être oufissime. God of War Ragnarok qui sort bientôt. J'ai si hâte. Juste avant, il y aura A Plague Tale Requiem, évidemment. Mais ça fait plaisir pour cette fin d'année. On aura de quoi faire. Et puis... Il y a aussi la manette qui a été annoncée. Manette PlayStation God of War. Est-ce qu'on a une petite vidéo? Voilà, jeu actuel. Salut, moi c'est Jean, j'ai acheté 40 biens immobiliers dans la vie. Bah... Salut Jean, on va te squeezer. Voilà. La petite manette DualSense God of War Ragnarok qui sortira le 9 novembre aussi. Voilà. Oh my god. Eh oui. Elle est là. Elle est sympa, hein. Bleu et blanche, elle est vraiment sympa. C'est dommage qu'ils aient pas fait une édition spéciale PlayStation 5 complète, mais je pense que Comme ils ont du mal déjà à livrer des PlayStation normales, je pense que l'édition limitée aurait été très très compliquée. Oula ! J'ai rien demandé, moi. J'ai rien demandé. Donc voilà pour le State of Play. 10 annonces, 10 jeux annoncés. Voilà, je vous ai parlé à peu près de l'essentiel de ce qui va arriver. J'avais envie aussi de vous parler, dans l'actu jeux vidéo, on n'en parle pas assez quand même, des jeux reportés, parce qu'on est très très déçus. On est très déçus, on est colère, par déjà le jeu Le Seigneur des Anneaux Gollum, qui devait sortir ce 1er septembre,
et qui est reporté de plusieurs mois selon le développeur. On n'a pas de date, ça fait peur. Voilà, comment vous dire. Alors, Gollum, le trailer du dernier Gollum. Voilà, comment dire. C'est celui-là, voilà, il y a 2 mois. Trailer du dernier Gollum. Qui est repoussé à l'année prochaine. What is it, precious? The precious, of course. The precious. We want it. We want it. Ça fait un peu peur quand même. Je préfère qu'il repousse et qu'il développe un peu plus. Hein, on va pas se mentir. Quand on passe d'un God of War à ça, ça fait mal au... Ça fait mal. Il y a des moments où c'est très beau, il y a des moments où les textures sont dégueulasses, hein, on va pas se mentir. Voilà. Donc on est déçu du report et en même temps on se dit peut-être que il vaut mieux ça que d'être très très déçu à la sortie du jeu et que ça soit horrible à faire. Voilà. What if he watches us, the Dark Lord? What if he sees? Donc ça c'est pour Gollum et l'autre jeu qui on attend tous, c'est évidemment dans l'univers Harry Potter Hogwarts Legacy. Donc lui, par contre, il a une date de sortie, même s'il est repoussé. C'est le 10 février 2023 sur PC, Xbox et PlayStation, évidemment. Alors, l'autre déception du jeu, c'est qu'on ne jouera pas de match de Quidditch. Voilà. On ne jouera pas de match de Quidditch, mais apparemment, on pourra utiliser quand même le balai dans des zones bien définies, bien limitées, et puis pour certaines petites missions. Et voilà, hyper déçu de ne pas pouvoir faire des matchs de Quidditch dans le jeu Hogwarts Legacy, qui était un peu annoncé comme le jeu le plus complet Harry Potter qui existe. Voilà un petit peu pour l'actu, en tout cas, des jeux vidéo. Et puis, le dernier point, évidemment, de ces derniers jours, comment ne pas en parler, 10 182 126 euros, record battu pour le Z-Event. Qui a fait un carton encore cette année. Hop là. Et d'ailleurs, cette année qui a regroupé à peu près 57 streamers sur place à Montpellier pour collecter des sous autour de l'écologie, autour du thème de l'écologie, avec notamment 5 bénéficiaires, la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux, The Sea Cleaner, qui combat la pollution plastique dans les océans, les fleuves et les rivières. Sea Shepherd, eux, c'est la protection des écosystèmes marins. La WWF, pour protéger la nature de tous ces êtres vivants. Et puis, le dernier, c'est Time for Planet, qui est une société commerciale à but non lucratif, qui a pour mission de détecter et diffuser les innovations permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Donc voilà pour le Z-Event cette année. Ils ont commencé le jeudi soir par un concert avec notamment plusieurs artistes et des gros artistes. On a Big Flo et Oli, on a Soprano, French Fuse, Berry Wham et PV Nova Little Big Whale qui ont fait l'ouverture de ce concert dès le jeudi soir. Et puis cette année dans le Z-Event, il y a eu des petites nouveautés, notamment un Z-Place inspiré du Airplay sur Reddit. On connaît aujourd'hui grâce à la Pixel War cette année qu'on a pu faire notamment sur Twitch. Mais aussi il y a eu un Pokémon Z-Event où les viewers, on était sur une chaîne à part et les viewers pouvaient jouer dans le chat ensemble à Pokémon Verfeuille et obtenir tous les badges de la Ligue Pokémon. Et on retiendra notamment de cette édition les filtres évidemment de Mister MV. Le combat de cage de Ponce et Revenzi, le Crolanta de Lapi, et il y a également, si vous avez vu, les petits vols de Bagheera Jones déguisés en ninja,
Le maillon frêle par Solari, ça c'était super marrant. Le question pour un champion spécial Burger Quiz, enfin question pour un streamer, pardon, spécial Burger Quiz avec Alain Chabat en présentateur cette année, puisque Samuel Etienne ne pouvait pas être sur place ce week-end-là, et évidemment Étoile. Et donc voilà, bravo pour cette édition, bravo parce que voilà, ils se sont pris plein la tronche durant ces derniers mois, et sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, hein, on va pas se mentir. Donc bravo à toutes les équipes pour l'organisation, et à Dash et Zerator de continuer, d'avoir continué et de ne pas avoir lâché cette édition, qui sont des événements précieux, parce que voilà, on lève des fonds pour des grandes causes. Et il faut le dire. Donc voilà pour l'actu jeux vidéo de ces premières semaines du mois de septembre. Il y a eu beaucoup de choses. Et j'avais envie de faire ça maintenant sur ma chaîne, de vous montrer un petit peu les actus, ce qui se passe, voir avec vous aussi ce que vous trouvez, ce que vous avez retenu, ce que vous attendez. Et voilà. Donc moi j'ai bien sûr évidemment pris deux t-shirts Z-Event plus la plaque du Z-Place. Je trouvais que c'est un beau souvenir et une belle attention. En plus des donations qu'on peut faire sur différentes chaînes. Et j'ai hâte de voir plein de donation goals. Voilà, avec tous les streamers qui ont fait des donation goals. C'était bien marrant. C'est ça, Suleyman. Peu importe le montant du don, c'est le geste qui compte. Même pour 1 euro, etc. Ça fait beaucoup. D'ailleurs, les associations ont décrit et fait beaucoup de choses sur le site, ont expliqué beaucoup de choses sur le site du Z-Event, notamment. Donc, si vous avez envie de vous renseigner et tout, allez les voir, c'est top. Moi, j'ai trouvé ça top, ça décrivait bien ce qu'ils faisaient, pour 1 euro, 3 euros, 5 euros, ce que ça pouvait faire pour les aider. Donc, voilà pour l'actu des jeux vidéo de ce début de mois de septembre.